sur la chaîne pour un tuto. Donc en fait ce sera deux en un. Ce sera comment dégripper un deck et comment le regripper. Donc pour ce faire, il vous faudra un sèche-cheveux, un tournevis ou une clé Allen et un nouveau grip. Donc déjà, moi, si je change mon grip, c'est parce que le grain est plus très épais. Donc, ouais, je préfère prendre le grain un peu plus épais. Donc, je vais retirer celui-là et placer le nouveau. Donc, pour commencer, la première étape pour dégripper, c'est de prendre votre sèche-cheveux à la température la plus haute. Et ce sera de passer partout pour décoller la colle en dessous. Donc, je vais vous faire ça en accéléré. Comme ça, ce sera mieux. Et ouais, on se retrouve une fois que j'ai décollé tout. Drowning in the tides, fighting for my life, are you satisfied? Intoxicate my veins, make me misbehave. Be my great escape till we fade away. We're the wild ones. Commencer la pose du nouveau grip. Donc ici c'est un grip de trotte, donc c'est les petits grips, ils ont déjà le diamètre de mon deck. Donc ici je vais faire, je vais essayer de couvrir tout jusqu'à l'arrière. Malheureusement j'ai plus de clé Allen pour enlever mon axe et que ce soit plus facile. Donc je vais devoir le faire sans rien enlever. Donc on va commencer par enlever le papier en dessous du grip. Voilà. Et puis on commence doucement par le haut. Il faut bien faire attention de bien le poser droit. Voilà, là je l'ai bien posé. Voilà, maintenant essayez de passer partout pour évacuer toutes les bulles d'air. Comme ça. Voilà, maintenant la partie un peu plus dure, c'est de gripper en passant le frein. Donc ici on va essayer de découper juste les bords du frein. Voilà, ici on fait une découpe le long du frein de chaque côté. Donc ici, vu que j'ai un deck addict, c'est un frein en plastique, donc il faut bien faire la découpe autour de la base du frein. Donc ça, il faut juste sentir pour le bord et puis y aller progressivement. Ou bien, on peut aussi prendre le tournevis et juste frotter le bord, ça va tracer le bord.
fais de mon mieux pour rester le plus proche du frein possible. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre votre tournevis ou clé Allen et vous allez frotter contre les bords. Donc en fait cette étape là, ici sur les bords là, c'est juste pour que le grip se rabatte sur le côté et éviter qu'il s'arrache avec l'usure. Et pour l'arrière ici, c'est juste pour tracer là où on va devoir découper le grip. Donc on va faire ça tout de suite. Puis là comme vous voyez ça vient tout seul. Là, et aussi faire juste à l'intérieur ici au niveau de la roue. Là, on va aussi enlever le grip pour pas que ça commence à aller dans les roulements et tout si ça commence à s'arracher. Voilà. On va juste affiner un peu les bords. Et la dernière partie. Et voilà. Donc maintenant le deck est complètement grippé. Donc maintenant la toute dernière étape ce serait de passer avec le tournevis sur les bords ici, parce que c'est souvent à l'arrière que ça s'arrache en premier. Donc ça se fait vite fait. Et voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé pour votre prochaine pause de grippe. Et ouais, abonnez-vous, likez et partagez.